Plus de 90 000 candidats sur la ligne de départ pour le baccalauréat général session de juin 2022, alors que Jean-Luc Moutou lançait la matinée du 21 juin les épreuves écrites de cet examen d'État au lycée Pierre Savorgnan de Brazza dans le 2e arrondissement de Brazzaville, Bas-Congo. Les lycées Mary-Patrice Lumumba et Révolution, respectivement dans les 4e et 5e arrondissements Mungali et Wendé, font aussi partie des centres d'examen visités par le ministre Moutou. On peut vous dire ce matin qu'il y a beaucoup de satisfaction dans l'air. Satisfaction justifiée par le fait que le gouvernement s'était engagé à organiser de façon régulière et permanente des examens d'État propres. Et nous en avons encore la preuve cette année au regard de la tournée que nous avons effectuée ce matin dans la ville de Brazzaville. Nous avons le retour des différents chefs de jury qui sont partis dans les différents centres. Les épreuves ont été effectivement lancées sur l'ensemble du territoire national à 10h et tout fonctionne à merveille et c'est les mêmes retours que nous avons du côté de Luanda et du Cabinda. Pour ce premier jour de l'examen, les candidats, toutes séries confondues, ont planché sur les mathématiques. Non, c'est bon, c'est pour la première fois que je fais l'examen, ben, ça va quand même. Je suis quand même courageuse, j'ai du courage, j'ai pas peur, je suis pas stressée, c'est ça. Bon, parce que j'ai confiance en moi. Ces épreuves écrites prendront fin le 24 juin.